Bonjour Aurélie, ça va ? Bonjour, ça va et toi ? Bien, donc on est ici à la cave des tontons. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept ? Le concept, c'est un lieu où on peut se retrouver en famille, entre amis, entre collègues, de 10h à 19h30 en début de semaine et après, plus tard le soir, fin de semaine, pour déguster des produits locaux, artisanaux, bien faits en bière, vin et spiritueux. D'accord, donc ici on est dans la partie cave. Qu'est-ce qu'on retrouve comme produit ? Alors là, on va retrouver des bières artisanales, on va retrouver aussi une petite partie épicerie fine avec des pâtés, des conserves, mais aussi des softs qu'on peut proposer en alternative sans alcool qui sont fabuleux, très très bien faits. On a aussi beaucoup de spiritueux ici sur la vente à emporter et du vin. Et derrière nous, on a la partie after work. C'est ça ? Oui, c'est ça. Donc un espace pareil avec des grandes tables, des canapés chinés en brocante, etc. où on peut venir déguster des bières locales, artisanales, en pression. On a aussi des planches, charcutes, fromages, avec des bons fromages proposés par la fromagerie des pins ici au Barp. On a aussi des planches végétariennes. On propose des boîtes de pâté à emporter avec du bon pain de la boulangerie de Aureuil. Donc voilà, plein de bonnes choses. Que des produits locaux ? Autant que possible, on a fait du local. Après, on n'a pas réussi forcément à trouver pour tout, mais c'est pas fini, on continue de chercher. Est-ce que ça a été compliqué de goûter à tout avant de sélectionner ? Moi, ça a été la partie la plus difficile de toute la mise en place de la cave des tontons. Goûter. On a goûté des trucs de fou et on espère vraiment que les gens vont adhérer à notre démarche d'acheter au maximum local avec des listes d'ingrédients très courtes. C'est plutôt signe de bonne facture et de bonnes choses. Est-ce que c'est un lieu où on peut venir en famille ? Bien sûr. Oui, on accepte les enfants aussi. Super. Oui, non, c'est un lieu familial où on va proposer des jeux, des après-midi de lecture, il y aura des animations, on a un terrain de pétanque dehors avec des grandes tables en palette. L'idée, c'est de vraiment prendre le temps, se poser pour discuter, pour échanger, découvrir des nouveaux produits, créer des expériences gustatives aussi un peu différentes, vraiment en famille, entre amis, avec le boulot. Voilà, on accepte tout le monde. Alors, pour les gens qui nous regardent, on est situé où ici ? On est dans la zone commerciale Aérialis, donc c'est la grande zone commerciale du Super U au Barp. On est derrière l'Orange Bleu, il y a deux accès, il y a un grand parking devant où on passe devant Midas, on continue et là on a l'accès au stationnement. On peut aussi se garer devant le Weldom, passer dans la petite passerelle devant les trésors de Jamana et arriver à pied ici, c'est abrité, donc pas de risque de pluie. Et on peut se garer devant le terrain de pétanque. Voilà, exactement, voilà. Terrain de pétanque accessible à pied. Bon Aurélie, je te dis merde pour la suite. Et je peux pas répondre, mais c'est cool. À bientôt. Bimédia, votre agence web et audiovisuelle sur le bassin d'Arcachon. Trois pôles pour vous aider à communiquer et améliorer votre image de marque. Avec le pôle audiovisuel, interview TV, spot publicitaire, voix off, community manager, référencement, site web. Bimédia, développez votre activité en toute sérénité.